RTL. La valise. 1002 euros dans la valise, un week-end à l'hôtel Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien et un moniteur de sport GPS. C'est une montre, hein, je vous rassure, c'est pas un vrai moniteur qui va débarquer chez vous. C'est une montre Epson RunSense pour avoir évidemment toutes les données pendant que vous courez. GPS. Données GPS, merci de c'est la précision. Bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font assassiner pendant qu'elles font leur jogging. Mais pas dans les faits divers, dans l'esprit criminel sur TF1. Enfin, il n'y a pas tous les jours une femme qui se fait assassiner. Deux par an. Pas tous les jours, mais souvent dans les faits divers. Enfin, j'entends qu'une femme, pendant qu'elle faisait son jogging dans un sous-bois. Non, mais Caroline, il faut que vous arrêtiez de regarder la télé, hein, je vous jure. Hein. Mais la montre GPS fait qu'au moins on pourra savoir où elle est. On saura où elle est morte. Non, mais c'est une autre. On pourra trouver le cadavre plus vite. Moi, je trouve ça pratique. Mais une montre GPS n'indique pas aux autres où elle est, mais à elle. S'il y a une fonction spéciale pour. À une balise, mort. Une balise. Pour assassinat. Oui, ça. Ouais, ah, ça s'affiche just mais dead. Non. Mais je vous jure, Caroline, qu'il faut que vous arrêtiez de regarder les séries policières. Hein. Vous êtes totalement obsédée, vous confondez la réalité et la fiction. Mais enfin, vous me prenez pour une connasse. Pas du tout. Elle essaie de nous expliquer pourquoi elle ne fait pas de sport. Elle n'a pas tort, vous non plus, parce que. Elle cherche une excuse. Je peux faire ma valise RTL. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, fais-toi la valise, comme disait Bouvard. Comme disait Bouvard, vas-y. La valise RTL, un numéro entre 1 et 20. J'ai demandé à Christophe de Chavannes, trop rare parmi nous. Ah, cher Christophe, un numéro au hasard. Quelle gentillesse. 4. 4, le numéro 4. Il s'agit là de Pierre Amaga. Monsieur Amaga habite Saint-Flour. Saint-Flour, c'est dans le Cantal. Et on espère évidemment que monsieur Amaga va décrocher maintenant et qui sait même décrocher la valise. T'habites ça sonne. T'habites plus le Cantal. Bravo. Pas mal, Gérard pas mal. Junior. Bien, monsieur Junio. C'est une question que quelqu'un qui habite le vieux port maintenant. Oh non. T'habites à Milan aussi, tant qu'on y est, non, enfin, bon anniversaire. Non, franchement. On va pas tous les faire. Et t'habites Fresnes dans la descente, oui. Moi, j'ai tourné à Tours. Ouais, t'habites à combien de kilomètres de Tours? Fresnes dans la descente. À 100 kilomètres de Tours. À combien? Non, écoutez, j'ai honte. J'avais oublié Bourg-la-Reine. J'ai choisi le roi. Ça sonne, en tout cas, pendant ce temps-là, à Saint-Flour. Bonjour, monsieur Amaga. Bonjour. Pierre Amaga. Oui. Est-ce que vous devinez qui vous appelle? Laurent Ruquier. Gagné. N'allons pas trop vite. Est-ce que sa sœur s'appelle Ruth? Non. C'est pas Abaga, c'est Amaga, Christophe de Chavannes. Ruth Amaga, ça passait. Hein. Pierre, à Saint-Flour, est-ce qu'on écoute RTL ces jours-ci? Ah, bien sûr. Alors, vous savez quel est le contenu de la valise? Alors, 1200 euros. Combien vous dites? 1002 euros, pardon. Ah oui, attention, 1002 euros, oui. 1002 euros. Un séjour Thalasso Spa, hôtel Lille de la Lagune à Saint-Cyprien. Très bien. Et une montre GPS RunSenseEpson.fr. Ah, évidemment, n'utilisez que quand les criminels ne sont pas dehors. Sur conseil de Caroline Diamant, vous avez gagné la valise RTL. Ah, merci.